Ana Maria Deja Codines, domnilor miniștri, aș vrea să vă întreb dacă este vorba despre o repatriere voluntară, de ce statul francez acordă de 300 de euro pe persoană cetățenilor români de etnie romă care se întorc în România. Un alt că nu este o măsură care vizează doar pe cetățenii români. Aveți date despre alte naționalități care sunt repatriate în aceleași condiții și îmi exprim oarecum uimirea că, monitorizând zilnic presa franceză, nu am citit despre colegi privind alte naționalități decât români de cetățenie română. Și aș, o ultimă întrebare, cum vă veți asigura că cetățenii repatriați în România sau în alte țări nu se întorc pe teritoriul francez? Alors, il faut peut-être bien s'entendre sur ce qu'on appelle les retours volontaires. Lorsqu'il y a interpellation et que, sous le contrôle de la justice, il est vérifié que vous êtes en situation irrégulière, vous avez le choix entre ce qu'on appelle un retour volontaire, mais ce n'est pas un retour avec plaisir. C'est un retour volontaire, ça veut dire que vous acceptez volontairement d'acter le fait que vous êtes en situation irrégulière et que vous signez une convention par laquelle vous acceptez de retourner, de monter volontairement dans un avion qui va pas vous ramener dans un pays, et dans votre pays, et la France se singularise par le fait qu'elle est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, à accorder une aide au retour volontaire humanitaire aux ressortissants européens lorsqu'ils sont démunis, c'est-à-dire lorsqu'ils ne disposent pas de ressources. Donc, lorsque vous dites « est-ce qu'on peut vraiment parler de retour volontaire ?», si vous voulez dire que la plupart d'entre eux auraient préféré rester en France, vous avez entièrement raison. Et ça veut dire que dans la procédure, ils ont choisi, plus de 80-85% d'entre eux, d'opter pour le retour volontaire plutôt que pour le retour forcé. Vous m'interrogez par ailleurs sur les statistiques. Elles sont relativement simples. La France reconduit dans leur pays d'origine chaque année à peu près 30 000, un peu moins, 29 000 ressortissants étrangers. Parmi ces ressortissants étrangers reconduits, les Roumains et les Bulgares représentent à peu près le tiers.